Ce gars, c'est quoi? C'est un prophète. Il est en train de prêcher. Je ne vous parle pas d'une église, ni même d'une religion. Je vous parle de Dieu. Je vais compris ce que moi, chaque mois, depuis des mois, je le fais. Si je m'approche de ceux qui ont pu se faire. Oui, c'est vrai, Jean-Louis. Jean-Louis, on l'a rencontré tout à l'heure. Parce que pour nous, nous avons l'habitude de parler de Dieu. Parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ce n'est pas des gens à négliger. Ce n'est pas des gens à rejeter. Généralement, quand on vous voit dans la rue, on dit que vous êtes voleur, vous êtes bandit. Donc, difficilement, les gens s'approchent de vous. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est nous qui devons aller vers vous. Parce que Dieu est comme un garage. Les mosquées, l'église, c'est comme un garage. Et là où on doit avoir une voiture gâtée, c'est le garage. L'homme, c'est l'appareil de l'homme, de Dieu. Et là où on doit avoir les hommes, c'est à l'église, dans les points qui viennent. Moi, je suis un homme de Dieu. Et moi, je vous parle de Jésus. Parce que c'est important pour moi de vous approcher de vous. On a l'habitude, c'est pas la première fois. Chaque mois, quand je suis sur Abidjan, je m'en vais au plateau, parler avec les enfants, parler avec eux. Il y a déjà beaucoup de personnes, d'enfants que vous avez amenés à Dieu. Parce que si on ne parle pas de Jésus, on va rester dans la rue, ce sera difficile. Donc pour nous, il est vraiment important. Tout à l'heure, je vais donner mon contact, mais c'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Il faut avoir la volonté, on ne peut jamais vous forcer. Moi, on vient de se voir maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est de vous parler de Dieu. Maintenant, c'est à vous de comprendre le message et de comprendre qu'on n'est pas né pour être dans la rue. On est né pour être quelque part. Il y a personne qui est unité sur cette terre. Nous avons tous une destinée. Et Dieu aimerait venir chacun d'entre nous. Amen. Et nous, pour nous, c'est important de prier pour nous. Voilà. Parce que si nous, on vous laisse de venir vers vous, n'ayez pas le courage de pas avoir la tête forte. C'est nous qui devons aller vers vous. C'est nous qui devons aller vers vous pour vous parler de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a des musulmans, mais est-ce que je peux prier pour vous? Vous confiez à bon Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Voilà. Vous confiez à bon Dieu. Pour que Dieu, ce que vous pensez, pas mauvais, hein, ce qui est bon dans vos cœurs, Dieu n'a qu'à vous donner. Voilà. Ça, c'est important. Seigneur, merci. Je veux prier. Te demander d'étendre ta main sur ce jeune homme. Manifeste-toi puissamment, notre Dieu. Nous te prions d'agir pleinement dans le cœur et de permettre que ce jeune homme puisse expérimenter ta bonté et ta fidélité. Agis pleinement dans leur cœur. Et touche. Que Seigneur permet qu'il puisse te connaître comme véritable Dieu. Amen. Amen. Non, je ne parle pas de ton nom. C'est pour prendre en même temps. C'est meilleur. Bon, moi, mais propre. Voilà la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu d'abord. Amen. Amen. Gardez mes enfants. Oui, mais on n'est pas dit. Il y a quoi?
Il faut aller là-bas. Hey, tu bouges pas, tu vois. C'est mon collègue. Je parle. Comme tu as en tenue. Ouais. Elle est comme elle en tenue, mais ça va, elle est chante. Je vous dis que c'est une bonne action. Je suis le seigneur chef des États. Voilà. Et vraiment, c'est une bonne action que l'homme est en train de faire. Elle est démunie, elle est pauvre. Je veux vraiment que Dieu lui bénisse. Amen. Et que Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Mais il voit clair. Hey. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Nous avons l'habitude de faire ça tous les fins du mois. Nous rencontrons les ceux qui sont dans la rue, les démunis. Et nous leur venons en aide en partant d'abord la parole de Dieu et après ça la nourriture. Parce que c'est important. Oui, dis-moi. Ouais, Antoine est où? C'est pour les enfants des rues, on t'a donné à tout parler. C'est pour les jeunes, on a fini. On est venu prier un peu, puis donner un peu à manger. Mais vous n'êtes pas venu vite. Vous étiez là quand ils ont prié, là, vous n'êtes pas venu. Quand ils priaient, attendez. Voilà, nous avons l'habitude de venir tous les fins du mois dans la rue et partager la parole de Dieu. Et après ça, donner la nourriture à ceux qui sont un peu devenus.